Salut à tous et à toutes, c'est Jumper d'Enfer. On se retrouve pour une petite vidéo sur League of Legends. Alors, comme vous le remarquez sûrement, j'ai changé de micro. Donc, logiquement, on va m'entendre un peu, voire beaucoup plus fort qu'avant. Donc, après, j'ai pas encore fait de test. Enfin, c'est la première vidéo en fait là avec ce nouveau micro. Donc, un nouveau micro également branché sur une carte son externe. Donc c'est pas encore optimisé au maximum, mais c'est déjà mieux qu'avant, je pense. Donc on va se faire une petite game où on va jouer support. Donc alors je ne sais pas encore qui c'est que je vais jouer, mais sûr je vais jouer support. Hop. Donc alors qui c'est qu'on va choisir? Je pense partir sur une Janna en sup. Ou alors, qu'est-ce qui peut être assez pété en support en ce moment? Il y a Soraka. Sona. Oh non, on va partir sur une Janna. Hop. Donc par contre, c'est pas encore tout optimisé, donc il y aura encore les bruits, les sons de clavier, etc. Parce qu'en vrai, j'ai pas de... Ah, punaise. En gros de cache pour éviter qu'il y ait les bruits externes qui viennent dans le micro. Et puis surtout que le clavier et la souris sont à peu près posés au même niveau que le micro. Donc voilà, pour l'instant ça sera peut-être pas encore du optimal à fond, mais on se rapproche déjà plus d'une qualité sonore 10 fois mieux qu'avant. Donc qu'est-ce qu'on a avec nous? On a un Lucian, un Wukong top, en face on a une Diana mid probablement, non, Diana jungle probablement, Rengar top, Anivia mid. Ça a l'air assez spécial pour l'instant en fait, je sais pas vraiment qui va où. Donc on attend les deux derniers picks. Bon bah MF ça c'est sûr, c'est en ADC. Donc voilà. Et Fizz. Ok. Je comprends. Donc là, Anivia il supporte. Logiquement. Le Rengar en jungle. La Diana en mid ou top. Et le Fizz en mid ou top. On va savoir ça d'ici quelques secondes. En tout cas, la botlane, c'est sûr, ça va être du Anivia avec MF, je pense. C'est. Parce que je vois mal où. Je vois mal un Fizz ou un Rengar en sup et encore moins une Diana quoi, c'est assez spécial leur compo. Il y a. Ouais, ça va, c'est assez bien réparti, 3 AP 2 AD. Nous on a 2 AD, 3 AP aussi. Donc Leiko va sûrement jouer tank. Hop. Alors faut que je paramètre la scène pour mettre. Tac tac, ça ne marche pas. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors juste quelques secondes, hein, c'est. On clique sur rafraîchir. Ok. Ah voilà. Donc alors j'édite un peu la scène parce qu'elle est clairement trop grande. Hop, tac. On va tisser encore un peu comme ça. On a grandi comme ça et voilà. Alors comme j'avais dit aussi, mon écran a changé. Bon, c'est pas encore du 9 dixième. Mais il est déjà un peu plus large qu'avant. Là, c'est du 1440 x 900. Donc je sais pas exactement quel ratio ça donne. Mais voilà. Alors, dans notre équipe, on a le Ekko qui est un ancien platine. Donc le Lucian, enfin qui était platine dans la saison précédente. Le Lucian qui était gold durant la saison précédente, donc je vais tout de suite vérifier ça pour voir un peu ce qu'on a en face. Hop. Donc je regarde cette petite game. Alors en face, on a la Diana qui est au top, donc elle est gold 5, le Fizz qui est bronze 1. La Anivia est Silver 3, le Rengar Gold 1, l'AMF Gold 5, et dans notre équipe,
Kong Silver 4, Echo Platine 5, Lucien Gold 4, Lilize Gold 4 et moi qui suis Silver 5. Donc voilà, on va faire une game qui est assez bien équilibrée, je trouve. Étant donné... Oh, quoi que non, en fait, elle est même... Ouais, j'ai n'importe quoi, elle est pas du tout équilibrée, en fait. Du fait qu'ils ont le fils qui soit bronze 1, ça déséquilibre un peu leur game. Quoi qu'ils ont... Alors, ils ont deux joueurs qui sont en gold 5. Nous, on a un joueur qui est en platine 5 et un en gold 4. Ouais. On va dire qu'elle est équilibrée en quelque sorte. Donc alors Janna c'est pas un champion que je joue souvent, donc je la joue en fulgurant. Je pense pas que ce soit du tout. C'est même 100% en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai le fulgurant. C'est pas du tout ce que je voulais, mais il va falloir que je refasse mes masteries, je pense. Alors ça met un peu de temps à que la game elle se lance. Donc il y aura peut-être une ellipse. Enfin, je sais pas encore le format de la partie, comment je vais faire. Soit ça va être genre les meilleurs moments. Soit ça va être la game en complet. Si elle dure moins de... On va dire si elle dure moins de 30 minutes, je vais la mettre en complet. Si elle dure plus de 30 minutes, je pense qu'il y aura des petits passages qui se couperaient, que je couperai dans la vidéo. Donc voilà, tac tac tac, on regarde. Alors moi je mets tout de suite en place ça, ça, ça voilà. Lucien ici, tac tac. On a le Echo qui a pris le TP. Alors je sais pas si c'est bien rentable de prendre un TP. Enfin, si c'est rentable, mais face au Fizz, le Fizz qui a pris un Ignite et une potion de corruption. Alors, on a la MF qui est ici. Alors j'ai fait une erreur là, j'ai commencé par le Q. Alors c'est clairement une grosse erreur en temps normal, je commence par le E. Mais on va voir comment on va donner la partie. Donc avec un peu de chance, durant les premiers levels là, ça va. Durant le level 1, ça va pas trop être fou. Ça se peut que ce soit worse. Hein. Ça se peut que ça soit worse si ça permet la tournée permet de donner un kill au Lucian. Mais si c'est eux qui arrivent à prendre un kill dès le level 1 parce que j'ai pas pu le shield. Là dans ce cas ça serait un peu bête. Pour l'instant c'est que eux, on l'a vu que eux. Donc on sait pas encore ce qu'ont les autres. La Diana. Un autre Doran, deux potions. Ok. Là, Nivia, elle a fait exactement le même start que moi. Alors, on sait que la Nivia est ici. Juste là dans le bush. Ok, elle a commencé par le stun. Alors, moi, je sais pas avec la Nivia si c'est bien. Si c'est bien de commencer par le stun au tout début parce que dans l'idée le wall peut être pas mal pour dès le level 1 pouvoir bloquer les ennemis, les splits et pouvoir prendre un kill. Bon après je suis pas un pro player, hein, je tiens à le rappeler. mon niveau c'est silver donc voilà. On n'est pas super foufou. Je rate la tornade mais c'était... C'était complètement moche là ce que j'ai fait. Un move, mais alors complètement moche. C'est honteux, je pense. Les joueurs de Janna là, ils doivent se dire: mais quoi? Mais comment elle a fait pour rater cette tornade? Mais il est ouf lui. Alors, on va essayer d'en placer une. Ah, presque. Un premier sample fizz. Oh. Pas super cool ça par contre parce que Fizz c'est un personnage qui snowball comme tout le monde le sait hein. On va essayer de la mettre comme ça, voilà, je sais pas dans quel sens elle va. On a touché la MF, on a le Z, on a le E. Je pense que pour l'instant on est bien, alors faire gaffe au gank. On a en face, on a un Rengar qui pourrait être assez gênant.
Ouh, j'ai raté le Z, j'ai mis sur Minions. Ah, le noob. Ah, je pensais qu'il allait reculer, mais. Ah, j'ai carrément fait deux actions de merde. Mais c'est violent. Alors, j'ai pas compris le délire. J'aurais dû être stun, je pense que j'aurais dû être stun là, c'est. Je regarderai la vidéo en replay après parce que là j'ai pas trop compris le délire. Hop. On va essayer de mettre une petite tornade. Voilà. Ouh, encore raté. Alors, par contre ça va être le problème avec la Nivea, c'est son passif. Que de devoir la tuer deux fois, c'est assez gênant. Alors Lucien va back. Non. Non, il attend. On ne sait pas où elle regarde. Hop. Au niveau du farm, ça va nickel. Après, vu au top, ils sont en égalité en quelque sorte. Hop. Voilà, ça c'était prévisible. Ouh. Vas-y, 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 vas-y. Ah. J'ai cru qu'il allait encore s'avancer. J'y ai cru, je me suis dit, est-ce qu'il va faire le fou? Ah, il aurait avancé, Lucien l'aurait tué, je pense. Il aurait pris un coup de tourelle. Hop. Oh là, on a fait quelques moves de merde au tout début, mais. Mais ça avance plutôt bien. Alors on va reprendre ça, on va prendre une pink. Parce qu'on n'a pas envie de se faire gank encore une fois. Bien que pour le coup, Lucien a réussi à prendre 2 kills. Donc il a 2 kills et 3 creeps de plus. Lylize, elle a 21 creeps. Enfin 21 mobs, en comptant à mon avis, elle a pris 2-3 creeps là ici. Le Rengar, il est à 19. Il a une assist comparé à Lylize qui a un kill. Voilà, hop. Alors le shield de Janna est quand même, je trouve, vachement abusé au niveau de la durée. On va pink ici pour safe le Drake. Ok, c'est un Rengar qui a tué la hélice. D'accord. Ah, j'ai pas suivi du tout l'action là en fait. J'étais trop concentré dans ce que je faisais. En gros, le Rengar est arrivé. Il a tué Elise. Mais ouais, ok. Un petit Z en tant que le Minions. Donc là on a l'ulti et on fait n'importe quoi. Il y a l'hélice qui va venir. Alors, on va attendre. Voilà, on fait un peu reculer. On regarde là pour au cas où si le Rengar arrive.
pour l'instant c'est assez safe, hein. On est bien, donc Lucien qui joue assez bien, je trouve. On a cette creep d'avance maintenant, ce qui est assez cool. Bon, après, je suis rapidement low mana parce que j'ai balancé mes spells comme un gros porc. Ok, là, une Nivea qui a ult. La Nivea qui va mourir, la Nivea qui va mourir. Non. Ah putain. Ah, c'est de ma faute. My bad. J'ai voulu en gage comme un idiot et. Et voilà. Petite action idiote. On prend les wards. Du coup, on prend le dewarder. Alors pour le coup là, ils nous ont bien abîmé la tower. On a encore rien mis. On a encore rien mis, le Rengar il a 2 kills. Bon, on a l'avantage des creeps. Dans l'idée. Encore une fois dans l'idée, hein, parce que. On a toujours notre ward qui faut vers le Drake. Ah, puis voilà, deuxième erreur de la game, j'ai max le Q, alors que j'aurais dû max le E. Je pense, ça était clairement. Rentable. Alors j'ai du mal à connaître la distance que fait la tornade dès qu'on la fait pop. Donc là on a le fizz. Hop, voilà. Il est venu, il repart. Lol. Bonjour fizz. Bon, on sait qu'ils ont une pink. Est-ce qu'ils savent qu'on sait? Là est la question. Ah punaise. Et voilà, et le passif. Alors franchement ce passif. Ouh. Alors je pense pas que l'Elise va la tuer. Ah si. Bon, 2 pour 2. C'est un peu. Alors c'est pas worse hein, parce que dans l'idée je suis mort. 50 puissance, 10 réduc de PO, 25 puissance, 100% de régène du mana. Alors j'ai vu Zelotol qui prenait l'œil des veilleurs, mais alors moi pour le coup j'aime pas en fait avoir ne pas avoir les fantômes. Parce que je joue rarement sim, à savoir que j'aime bien prendre le prise de la reine de givre sur les AP mid. Parce que je trouve que ça peut. Bon, on va prendre l'exemple du Xeras qui a, à mon avis, me permet de placer les spells plus facilement. Bien qu'on a déjà le Z pour slow, etc. Enfin voilà, pour le coup, avec Janna, je pense que ça peut être cool aussi. Enfin, c'est. C'est sûr que c'est cool. Ouais. Ils ont pas la vision. On va essayer de la mettre ici. Youfou, ça touche.
Voilà. Alors, continue. Ok. Chill trop tard. Ah là, si je suis pas mort, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Hop, my base. Ah, j'ai voulu bousiller la piquoire, je m'attendais pas qu'il y avait le ringard dans le bush. Bon, dans un sens, c'est bien, c'est que si le ringard il m'aurait pas attaqué, il aurait pu prendre le Lucien avec lui. Mais il m'a attaqué, donc du coup, voilà. On va dire que c'est bien dans un sens, c'est moins bien dans l'autre. On a toujours notre pink. On a le écho qui a bien joué, franchement. Là, c'est un magnifique move. J'ai relevé. Ah, franchement, ça, rien à dire sur le move. Il était bien. Alors, j'ai peur que voilà. Hop. J'avais peur que le Echo se fasse tuer. Mais il a juré. Alors, on n'aime pas les wards. Hop, voilà. Donc là on a le fils qui est ici. Hop. On a l'AMF qui arrive et la Nivea. Ok. Alors pour le coup c'est worse parce... Enfin c'est worse. Pour le coup ici, là c'est bien joué de la part d'équipe parce qu'on a le Ekko qui a fait un doublé. Moi je vais attendre pour ces flatware parce qu'à mon avis... Le temps qu'ils reviennent, voilà, ils auront push, il n'y aura pas encore assez minions pour faire le fight. Ah, j'ai mal joué. J'ai raté mon coup. Ah, my bad. J'ai complètement foiré en fait. J'aurais pas dû flash in. Je me suis dit flash in, Lucian il dash et tout, mais non. Non, non, j'ai été trop. Trop greedy. Du moins, l'action elle s'est trop passée dans ma tête. En mode, ouais, il va faire ça, c'est bon, il va arriver, il va les tuer, mais. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout ça. Pour le coup, on va faire un encensoir ardent. Parce que ça pourrait être vachement utile. Alors. Outfarm. Bon, la Elise a pris un vieux lag. Donc, voilà. Et nous, on a perdu l'avantage au niveau des creeps. On a toujours 4 kills d'avance sur la MF. Enfin, il y a 4 kills d'avance sur la MF. Mais du coup, c'est un Nivea qui a 4 kills aussi. Alors, c'est assez bizarre dans l'idée. Parce que ça veut dire que la Nivea veut carry la game. Alors là, on sait qu'il y a le Ringo. Hop.
Oh. Ok. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi? Ok, d'accord. Ouais, bon. J'ai pas réussi en fait à bouger. Ouais, l'aringot qui va tuer le. Même pas. Penta? Pentakill. Ouais, il a fait un petit. Le Lucien qui a fait un petit pentakill. Au feu de l'aide. Ok. Il a pas l'air de vouloir y aller, donc on va y aller à sa place. On va juste mettre un petit coup de une petite tornade histoire de pas de tuer les creeps, mais ça sert à rien de battre maintenant en fait. On va voir le. Les gars, on va voir le blue. Ah, j'aurais peut-être pu le prendre avec les Z. Je sais pas. Hop, donc là, attends, on va la mettre comme ceci. On reste bien dans l'axe de la tournade. Il esquive. Et je meurs, voilà. Voilà comment on joue bien Janna, voilà. C'est le problème. Quand... Janna, je suis vraiment pas le jeu en fait, c'est. C'est le support. Elle se joue pas support en temps normal, elle se joue mid. Moi j'ai 6 morts, 5 assists. Oh. Oh mais c'est immonde là en fait ce que j'ai fait. Dans la tête du Ekko quand elle a vu ça, elle a dû se dire non, il va pas le faire. Il va pas le faire l'abruti, non. Et si. Mais bon, du coup, le Fizz n'a plus d'ult. Parce qu'il trouve très intelligent d'ult une Janna. C'est vrai que l'ult le support, c'est tellement utile. Oh, bien que, à mon avis, avec le CDR, il l'aura récupéré, mais. Et voilà. On fait un call pour le. Alors, c'est chiant parce que j'ai pas le. Ok, il y a rien ici. Hop, tac, tac. On le shield. Ah. Ah, j'ai littéralement trouvé le cul du Wukong. Voilà. Ah, le Wukong là, il a dû se dire, oh merde, le tour de toile, le coup de toile et le petit shield qui passe. On va sauvetage de dernière minute. Il manque 200 gold. Voilà, c'est bien, c'est que le mid il est presque enfoncé. Donc là, on est en 4v5. Hein, depuis bien 5 minutes qu'il est AFK. Ok, on a vu qu'elle était par là. Pas de ward. Hop. On va vite au mid.
Ouais, c'est l'univers qui a flash. Non, même pas. Non, il a dash, ok. J'ai cru qu'il y avait eu un flash sur le coup. Voilà. Hop, 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 hop. On arrive. On met ça. On le pousse lui dans l'autre, voilà. On tente les dommages. Bon, ah, joli petit move. C'est vrai que Lucian pouvait facilement tuer le Rengar. Question. Sinon, j'aurais juste tué le Lucian, mais bon, faut pas le dire, ça c'est secret, hein. Alors, après, mais si je prends un voleur d'âme de Mejai, c'est que, étant donné que je meurs trop, mais genre trop, 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 ça serait totalement useless. Parce que j'arriverai pas à stack à le stack. Oh, le écho qui a été peut-être un peu trop greedy. On a un Ringer Tank. Ouais. C'est normal. Où est le problème? Dans l'idée pour l'instant c'est pas dégueulasse. Enfin si ça l'est un peu parce qu'il on va pas dire qu'il le joue mal mais il y a des moments où il fonce un peu trop tête baissée comme moi quoi qui. Hop, vas-y 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 on va essayer de se le faire. Et le Wukong, il savait qu'elles arrivaient. Et du coup, la fille. Et du coup, je suis mort encore parce que j'ai fait une action de merde. Voilà, voilà pourquoi je prends pas le Mejai. Voilà. Ne cherchez pas plus loin. Ta quoi si on va prendre encore le. Ah, j'aurais bien voulu prendre le Kalizaroni. 650. Oh, on va attendre pour prendre le Kalizaroni. Pour un peu de MR. Ouais. Il se tire à combien d'HP lui? 25? On va essayer de le prendre à revers. On sait que t'es là, on sait que t'es là, t'en fais pas. T'en fais pas mon petit coucou. Hop. Tu es par le chip. Ah, je m'en fous, j'ai flash in, on s'en fout, on joue pour le fun. Voilà. Le respect a disparu. Alors je précise encore une fois. Enfin, je précise on est en normal game, hein, donc. Donc voilà, c'est pour ça on joue fun. Mais je suis trop intubé en fait. Depuis le début de la game, il y a ma ping. Parce qu'ils ont pas l'intelligence de voir si le Drake y a pas une ping des fois. Et du coup voilà. Bon, c'est Drake de feu. La Diana ici. Le fils il est dead. Mais. Mais on sait qu'il y a une ward. On le sait, t'en fais pas. Est-ce que la portée de la tornade va jusqu'à là-bas? Oui, d'accord, elle va jusqu'à là. Nice. Oups. Sorry. Bon, on a juste un peu KS mais on dira rien. Hein.
Enfin, la Nivia, elle s'est un peu suicidée. Elle l'a fait en fait comme moi. Elle se dit, ouais, vas-y, je suis tout seul, mais je fonce dans le tas. Bon, elle a plus de kills que moi, mais ça, c'est qu'un détail. Voilà. Hop, tac. Applique ton last hit. Bon, il a raté le dernier, c'est pas grave. Ah, la MF fait quand même plus de creep que Lucian. Bon, après, elle a 2 kills, 7 morts. Elle est morte autant que moi, voilà. Donc, du coup, là, la game atteint les 30 minutes. Donc, à mon avis, on va pas tarder à la finir. Donc, je pense que je vais la mettre en entier au final. Alors, le fils qui ult le sup, on va le taunt, on va le taunt. Voilà, on le taunt un peu. Il va dire, mais pourquoi il dit ça lui? Je l'ai tué, je m'en fiche, heureusement que j'ai ult. Ouais, ceux qui auraient ult le Lucian au lieu de moi, je pense que. Bon, je sais pas s'il serait mort, mais il y aurait moyen. C'est vrai que là il y a. Ouais, s'il l'aurait tué. Il l'aurait eu. Il l'aurait eu. Oh, il a quand même eu, mais. Alors, on va essayer de se couiller. De l'atteindre. Il va partir par où? Non, il est mort. Echo is dead. Oh, 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 oh. Éco-survie? Éco-survie! Voilà, le petit taunt qui passe bien. Pendant ça, le écho qui était au bot. Alors, qu'est-ce que nous fait le écho? Ok. Il survit. Ce qui est déjà bien, je pense. En face, ils ont quoi? Ils ont 3 aides. 2 AD, sachant que c'est les AP qui ont le plus de dommages. On va prendre un Medallion d'Iron Solari. Oh, ça devrait le faire. Ah, la hélice qui est revenue. Nice. Est-ce qu'il va me chase? Il me chase. Il me chase. Non. Et voilà.
Alors, que j'y se passe bêtise, le Lucian était Gold 4. Ok. Ah, il gère bien. Alors, Gold 4, il a fait que 4 games en ranked avec Lucian, donc c'est pas son main. En fait, là, il y a personne qui joue avec leur main. Ils sont tous à peu près 5 games avec 7 personnages, donc voilà. Enfin, 5 games en ranked, hein, je précise. Bon, pour ma part, j'ai jamais joué Janna en ranked. Simplement parce que je sais que je suis un mauvais sup. Ici tranquille, on va là. Hop. Alors on se met un petit coup de heal. Alors, je sais que c'est pas très utile de s'en servir pour faire du heal, mais bon. Donc voilà, full build, hop, tac, tac, on l'upgrade, toujours plus de PV. Ah bah voilà. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette petite game de LOL. Alors j'espère que ma voix est vachement plus forte qu'avant. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai pas encore essayé, c'est la première vidéo avec ce nouveau micro. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à une prochaine.